Allô? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si c'est bumper to bumper, tu le sais que la 13 Nord, je l'ai pour mourir. Puis là, il y en a un qui s'en vient, puis qui va me couper. Coupe-moi pas, mon truc! Fait que c'est drette pour ça que j'appellerai pas ma mère, OK? J'ai juste envie de passer une belle fin de journée sous les couvertes avec toi. Au lieu de t'assumer, appelle-la donc, c'est peut-être important. Mais c'est jamais important! Tu le sais pas, ça! Mais tu le sais pas, toi non plus. Je te ferai remarquer. C'est pas ça qui est important. Demande-lui simplement qu'elle te raconte sa journée, puis dis rien, faut juste que tu l'écoutes. Ça fait du bien, des fois, de te faire écouter. Bon, un message subtil, là. C'est beau! Je vais l'appeler. Mais je te dirai pas désolé, j'arrive à la maison en tabarnak. Bon, c'est pas grave. Mettre sous les couvertes, avec le chien, sur le divan, c'est tout. À tantôt. Comment ça? C'est jamais eux autres qui vont sur le divan. Parce que c'est comme ça. Shit. Allô? Salut, maman, comment ça va? Pis ta journée, c'était comment? Raconte-moi tout, là. Même si je sens que je vais le regretter pour le reste de ma vie. Ah, très bien! Et beaucoup de personnes à clic aujourd'hui, là! Il y avait un monsieur qui est venu pour des radiographies, écoute tout un numéro, il arrive, je l'invite à s'asseoir, puis là, il me dit qu'il peut pas. Mais je lui demande, mais pourquoi? Puis là, je vois qu'il y a un cigare dans la main. Fait que c'est quoi? Il a dit qu'il veut pas fumer dedans? Non, c'est pas ça, ben, oui, c'est un peu ça, là, mais dans son cas, c'était pas ça du tout. Il m'a expliqué que l'étui du cigare était dans ses fesses. Le gars s'est transformé en humidor. Non, mais c'est quoi ça, un humidor? C'est comme un cellier, mais pour les cigares. C'est pour ça qu'il pouvait pas s'asseoir. Dégueulasse. Puis c'est quoi t'as fait? Ben, j'ai offert un briquet puis un cendrier, mais qui pouvait seulement fumer là, à 6 mètres de la porte d'entrée. Mais voyons, tu me niaises? Ouais. OK. Mais l'étui du cigare, là, il l'avait vraiment dans le cul. Oui, c'est beau, maman. Merci. Vous avez compris, là, la première fois, là, que c'était dans les... Hier, j'ai joué un tour à Nouvelle Infirmière en stage. Je suis allée la voir avec un thermomètre à l'oreille. Puis j'ai dit, bon, j'ai pris la température rectale de M. Courtois. Elle m'a demandé pourquoi j'avais un thermomètre sur mon oreille. Moi, je fais semblant de figer, puis je dis, oups, oh, ça veut dire que M. Courtois a un crayon dans le cul. Le mot du jour, cul. Hey, on a assez ri, là. Ben, à part la stagiaire, là, je pense qu'ils l'ont mis dehors. Pis toi, tu travailles toujours là? Ouais, pourquoi? Non, rien. Hey, connais-tu la blague du policier qui veut donner un orgasme à sa femme? Oh, man, pas encore une blague de policier cave, là. Tout le monde le sait, c'est juste des gros colons. Fait que, regarde... Faut voir, je raccroche, là. Ah, le policier, il dit à son collègue, j'arrive pas à faire venir ma femme. C'est beau, maman, faut que je te laisse, là. Fait que son collègue, il dit, ben, pour bien faire venir ta femme, là, faut que tu te positionnes en 69. Puis, aussitôt qu'elle arrive à l'orgasme, tu tires trois coups de fusil au plafond. Je te le dis, ça marche, les femmes capotent, ils viennent tout de suite. Tu pourrais essayer ça à soir. Là, le lendemain, les deux policiers, ils prennent le café, puis le premier, il dit, puis tu l'as essayé, mon truc, là, avec le fusil pour amener ta femme. Fait que le policier, il dit oui. L'autre, il demande, puis comment ça s'est passé? Ben, j'ai fait comme tu m'as dit, là. On s'est mis en 69, j'ai attendu qu'elle ait un orgasme, puis bang, trois coups dans le plafond. Ah, fuck. Et l'autre policier dit, puis elle est venue? Non, mais elle m'a chié dans la face! Elle m'a chié dans la face! Elle a vraiment raison de faire ça. C'est les policiers, là, c'est tous des cœurs, des gros colons. C'est vous, ça, Francis? Oui, monsieur l'agent. C'est votre voiture, ça? Oui. Un papier sous plan. Ah oui, c'est tout le temps. Merci. J'en ai une bonne blague pour vous, moi. Oui, allez-y. Hein? Aimez-vous ça, Pinot? Ouais, bon, ben le gros con, là, ou le gros collon, il va revenir avec une amande salée. Allez, c'est le fun qu'on peut se parler comme ça après notre travail. Un petit coup de téléphone, on a du fun, on jase, ça coûte à rien. Ah, mon loup?